Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo différente de d'habitude puisque en plus de parler de cheval, elle va parler de photos et d'Instagram puisque ça fait très très longtemps que vous me demandez des vidéos et des conseils sur comment j'organise mon feed Instagram, qu'est-ce que je choisis de poster, comment je trouve mes idées, mes endroits, mes lieux pour shooter et mes tenues. Donc j'ai décidé de vous expliquer un peu tout ça, d'où vient l'inspiration et 5 conseils pour organiser son feed Instagram. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti! Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'estime pas du tout avoir un fil Instagram parfait. Genre, dès que je revois mon fil Instagram, je trouve que c'est une catastrophe. Je trouve que c'est pas du tout organisé. Et en fait, là en ce moment, c'est pas du tout organisé non plus. Donc, j'espère que vous l'appréciez. Moi, juste, c'est surtout pour ça me rappelle des souvenirs. Et voilà. Mais en fait, je l'organise, mais il n'est pas organisé de la même façon selon les moments de l'année, selon ce que j'ai envie de poster, etc. Donc, c'est assez spécial. Donc, mon premier conseil, ça va être d'organiser ses photos par couleur et par style. C'est-à-dire que vous pouvez pas poster, enfin après, genre, ça c'est vraiment mon avis, mais c'est, on peut pas poster genre un truc en rouge, enfin, des couleurs de toutes les couleurs différentes dans un ordre complètement, enfin sans ordre. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment brouillon de poster ces photos comme ça. Moi, j'essaie d'avoir toujours, par exemple, il y a des moments où il y a plus de vert dans mon feed, il y a des moments où il y a plus de bleu, mais il y a toujours une couleur qui est assez dominante sur les autres. Je dis ça, mais à l'heure actuelle, pas du tout le cas, mais vraiment ces feeds-là, les feeds où il y a une couleur dominante par moment, par saison, c'est magnifique. Moi, j'arrive pas à vraiment à avoir des photos parfaites, et avec les chevaux, c'est très compliqué puisque bah, enfin, moi j'ai un cheval, enfin j'en ai deux, mais du coup j'en ai qu'un sous la main, entre guillemets, donc est-ce que l'autre est au pré, mais j'en ai qu'un où je peux faire des photos, donc c'est-à-dire que sur la majorité des photos, il va être là, donc ça fait déjà une couleur dominante et ça fait assez monotone très rapidement, donc faut essayer de s'accorder avec les tenues, avec le temps, avec vraiment plein de choses qui peuvent rendre les photos vraiment différentes les unes des autres, mais en gardant une certaine unité, et c'est ça qui est trop beau sur les feeds Instagram, et surtout sur les feeds Instagram de photographes où il y a vraiment une belle unité, genre c'est trop trop beau. Et ben c'était tout pour ce conseil. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'opter pour des photos différentes les unes des autres. Quand je dis différentes, c'est pas genre un chou-fleur, un radis, un poney, genre vraiment c'est juste un angle différent. Genre moi j'essaye de poster vraiment, par exemple, un coup un cheval qui galope, un coup un portrait avec mon cheval, un portrait seul de mon cheval, juste une photo de moi, plein de choses différentes, une photo de produit, une photo du cheval, mais vu depuis le cheval, enfin plein de choses différentes qui font que ça va changer et ça va créer une ambiance. Et on va pas toujours avoir bah, un cheval de plein pied sur toutes les photos. Mais après, il y a des comptes comme ça qui sont très très beaux. Mais voilà, ce que je trouve qui est vraiment sympa, c'est d'avoir vraiment une approche différente et d'avoir en fait, c'est l'alliance entre le premier conseil, les couleurs et les angles qui va vraiment changer, enfin d'avoir vraiment d'avoir un cheval au trot de face, de profil ou de dos, c'est pas du tout pareil. Et je trouve que ça apporte vraiment une nuance. Et un truc vraiment trop trop beau qu'on retrouve sur Instagram, c'est d'être organisé et de pas voir 50 000 fois la même chose. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, de pas être répétitif et d'essayer d'avoir vraiment tous les angles possibles qu'on peut avoir du cheval, même des gros plans comme une photo d'un œil, une photo d'un sabot, et après vraiment une photo de très très grand angle avec le cheval en petit dans un grand paysage. Et en fait, c'est ça que je trouve trop trop beau, donc essayer d'être original. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'utiliser une application pour s'organiser. Personnellement, j'en ai deux parce que j'ai deux comptes Instagram et c'est payant. Non, on n'a pas envie de payer. C'est payant quand on utilise la même application pour plusieurs comptes. Donc, j'ai d'abord Preview qui est vraiment le meilleur parce que c'est illimité. En fait, on peut poster le nombre de photos qu'on veut et il n'y a pas de limite. Alors que dans les autres, il y a un forfait. Genre dans Planoly, par exemple, il y a un forfait et il faut payer à partir de temps, enfin, en attente de poste par mois, je crois. Donc moi très vite je me retrouve à devoir payer, donc je paye pas, donc après je suis très limitée dans ce que je veux faire. Mais avec Preview en fait vous pouvez organiser vos photos, et c'est-à-dire que vous pouvez vraiment en prendre une et la déplacer, et en fait ça vous actualise à chaque fois avec ce que vous avez posté. Le petit bémol c'est que les IGTV sont pas postés, donc en fait si vous savez que vous allez poster une IGTV et que vous allez avoir des posts après, bah organisez-vous d'avance et faites une capture d'écran de ce que vous voulez poster après cette IGTV, parce que faut savoir que ça va pas se mettre à jour après l'IGTV, donc vous n'allez pas pouvoir voir. En fait, les deux photos vont se mettre à la suite alors qu'il y avait une IGTV entre les deux. Et c'est pour ça que ça va pas pouvoir bien s'organiser. Mais utilisez vraiment des applications, ça vous permet de vous organiser. Moi, c'est très utile pour moi parce que, genre, je peux pas me dire, enfin, c'est impensable dans ma tête de me lever un matin et de me dire,
Ah bah ce matin, tiens, j'ai envie de poster cette photo, je vais la poster. Non, mais même pas en vrai, faut vraiment que je vois si ça va dans les couleurs, dans les tons, dans qu'il n'y ait pas deux fois la tête du cheval, que vraiment, genre, je suis un peu parano et maniaque. Mais je vous assure que ça fait la différence et ça permet même d'être organisé, de savoir, tiens, bah j'ai plus de photos à poster, il faut que j'en prenne. Ou vraiment, c'est trop trop bien cette application, je ne suis pas sponsorisée du tout, bien que j'aimerais bien. Ça permet de vraiment être organisé et sinon tout simplement vous pouvez juste utiliser les favoris de votre téléphone. Vous mettez vos photos en favoris, comme ça vous savez ce que vous avez à poster. Et moi c'est ce que je fais également, j'utilise les deux, comme ça ça permet de vraiment avoir une organisation maximale. Ensuite mon quatrième conseil, c'est au-delà d'avoir les couleurs, le style et l'organisation via une application, c'est d'avoir une organisation sur son fil Instagram. Alors que je puisse vous expliquer, c'est... Même si vous vous organisez avec une application, il faut avoir un ordre d'idées. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Enfin, si, vous pouvez, moi c'est ce que je fais. Enfin, il y a plusieurs façons d'organiser son fil Instagram. C'est-à-dire que vous pouvez l'organiser ligne par ligne, donc trois photos identiques par trois photos identiques. Vous pouvez l'organiser avec des bandes blanches sur les côtés comme on faisait avant. Vous pouvez l'organiser, par exemple, faire... J'appelle ça... Enfin, c'est pas 3 par 3. Du coup, c'est 2 plus 1 par 2 plus 1, c'est-à-dire que les bords extérieurs vont être pareils, la bord du milieu différent. Il y a plein de façons d'organiser son feed. Le bémol, quand on fait des lignes de 3, c'est pas forcément si on poste pas les 3 en même temps, ça va être décalé, donc il faut utiliser les archives, etc. Mais je vais vous montrer un compte Instagram qui fait ça, que j'ai vu. Attendez, je vous cherche. Par exemple, le compte de Inès Tassé, je sais pas si on dit Tassé ou Tassé, mais de Inès Tassé... Bref, le compte de Inès, qui est photographe animalier, et bah, elle fait ça, et franchement, genre, en fait, ce que je trouve magnifique, c'est vraiment les lignes, où il y a marqué winter, il y a marqué, enfin, les saisons et tout, je trouve que ça rend super bien, et en fait, c'est pas trop lourd, parce qu'il y a vraiment une harmonie dans les couleurs, et là, du coup, je disais, vraiment, c'est l'harmonie dans les couleurs, et j'aime trop, vraiment, j'aime trop ce feed avec les bandes et tout. Moi, je suis vraiment pas assez organisée pour tenir quelque chose comme ça, mais si vous savez que vous êtes organisée, vous, vraiment, vous pouvez faire ça. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'organiser la façon dont on va agencer ses photos, mais sachez que c'est aussi important, en plus de tout ce que je vous ai dit avant, donc voilà, si jamais... Et finalement, mon dernier conseil, c'est de suivre des personnes inspirantes et qui ont des beaux feeds et qui ont de l'inspiration, qui ont des photos, que ce soit des personnes du milieu du cheval, des photographes ou juste de la mode. Et en fait, c'est vraiment ça qui va vous aider. Je vous ai fait une petite sélection de comptes Instagram qui sont vraiment top. Déjà, il y a mon pote qui est photographe, Jason Piécard. Donc lui, il est photographe, il n'est pas photographe équin, mais... incroyable, son feed en fait c'est vachement, c'est pas du tout monochrome, il y a vraiment plein de couleurs, mais chaque photo a vraiment une couleur dominante et ça reste vraiment dans les tons foncés, dans les tons sombres. Alors là je sais qu'il va me taper parce que je dis pas du tout en bon langage, vas-y, ton sombre ça veut rien dire, mais là c'est orangé, il y a du violet, il y a du blanc, il y a du noir, mais son feed est tellement beau et genre ses photos sont magnifiques. Donc après c'est un photographe professionnel donc c'est normal, c'est aussi sa vitrine, mais sachez que tout, enfin vous pouvez vous organiser vous aussi, vous n'aurez sans doute pas des photos aussi belles qu'un photographe professionnel, mais vous pourrez avoir un agencement dans les couleurs identiques et c'est ça qui rend aussi le compte vraiment plus beau. Et voilà. Ensuite je vais vous parler de comptes d'influenceurs qui là aussi sont très très beaux et très travaillés. Donc moi je suis pas beaucoup d'influenceurs en France, je suis très peu d'influenceurs français et je suis vraiment beaucoup plus étranger parce que déjà ça me fait travailler mon allemand, mon anglais. Enfin il y a vraiment une vision, c'est plus visionnaire en fait, c'est plus futuriste. Il y a beaucoup plus l'apport de la mode dans les photos, beaucoup plus de photographes professionnels qui font les photos des influenceurs. Enfin c'est magnifique, enfin, ça commence à se développer en France mais vraiment c'est incroyable. Donc je suis vraiment beaucoup plus de photographes, d'influenceurs à l'étranger. Donc ça c'en est une par exemple, Derdis Mero. Photos incroyables, les photos sont magnifiques, ça se passe de commentaires, le feed est super bien fait, enfin c'est incroyable, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ça c'est pas la seule, il y en a énormément des influenceurs en Allemagne et en Angleterre. Ensuite une photographe qui elle est néerlandaise, c'est, alors pour prononcer, je vais vous mettre Google Traduction. Voilà le compte de cette personne, pareil incroyable, des photos super belles, un super agencement. Enfin j'aime énormément, mais il y en a énormément, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les feeds Instagram que vous préférez et comme ça je serais ravie d'aller voir un peu les comptes des gens que vous suivez et tout et que vous appréciez. Et finalement si vous vous demandez d'où je trouve l'inspiration, enfin l'inspiration avec un grand U, non je rigole, de mes photos,
C'est beaucoup en suivant des photographes, bah, des influenceurs étrangers, des photographes étrangers, en des comptes de mode, vraiment des hashtags de mode. J'y suis pas forcément avec ce compte-là, j'y suis avec mon autre compte Instagram, Matou2006, mon privé, enfin mon personnel, enfin ça, il est pas privé, genre vous pouvez vous abonner, enfin vous avez compris. Enfin c'est mon compte sans Sligo. Et en fait, en suivant ces comptes-là, ça apporte vraiment une ouverture d'esprit qu'on n'a pas dans le milieu du cheval uniquement, où ça reste très sport. Et c'est pour ça que j'essaie d'apporter un peu une touche mode, enfin à mon humble échelle, dans l'Instagram équin, une touche vraiment plus street, plus... Enfin, ce qui change, juste monter à cheval ou galop. Pourtant, enfin, j'en fais aussi des photos comme ça, hein, mais juste vraiment un peu changer. Et même moi, ça fait tellement plaisir de faire des photos comme ça. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup les comptes que vous préférez. Et ce que vous aimeriez voir sur mon Instagram prochainement, quel type de shooting, quelle ville, quelle tenue vous aimeriez qu'on fasse. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un très bon confinement à tous. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye.